Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus, de votre consultant épique pour les radios, la CS.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Puissance Max. Pour notre lundi 15 août, notre quinté aura lieu sur l'hippodrome de Deauville, et là ça va être encore un quinté qui va pas être facile du tout à trouver. Condition de course, réunion 1, course 3, départ 15h15. Et c'est un quinté en ligne droite, 1200 m, 16 au départ. Donc attention à vous. J'ai fait ma sélection et là, bon, un peu comme notre dimanche, où le quinté n'est pas été si facile que cela à trouver, à part le 16 et le 4, mais le 2, le 5 et le 15, ben, cela, il fallait les trouver. J'ai bien sûr placé en tête de ma sélection pour notre début de semaine le 3. Tudoben, rien à reprocher à ce cheval. Deuxième. Donc, a priori, il devrait être dans le quinté. Après, la gagne, on verra bien de ce côté-là. Je lui oppose le 2, Biahed, qui sera ma deuxième base. Et je pense que là aussi, il devrait être dans le coup. Le 5, Ozan, pour une belle place. Tout comme le 1, Idico, qui sera mon très gros coup de cœur pour notre début de semaine. Donc, mes 4 bases, le 3, le 2, le 5 et le 1. Le 7, Restive, que pas mal de turfistes connaissent, et je pense qu'il peut venir accrocher une très très belle place. Attention aussi au 11, Uzel. Le 4, Mubaleb, sera mon coup de folie. Je termine ma sélection par le 6, Forza Capitano, qui sera mon coup de poker. Mon cheval du jour, le 3, mais de base, le 3 et le 2. Mon coup de cœur, le 1. Mon coup de folie, le 4. Et mon coup de poker, le 6. Mes 2 sur 4, le 3, le 2 et le 5. Mes couplets gagnants placés, le 3, le 2, le 5 et le 1. Je répète ma sélection, mes amis. Le 3, le 2, le 5, le 1. Le 7. Le 11, le 4 et le 6, voilà, c'en est terminé pour mon pronostic. Pour notre début de semaine, retrouvez-le sur la radio la16.fr, sur la radio rdc.fr. Attention, un quinté qui va pas être facile du tout à trouver. Restez très, très, très prudent. De ce côté-là, des quintés en ligne droite, c'est jamais évident à trouver. Sur ce, mes amis, j'espère que les pluies qui vont arriver vont faire un petit peu de bien. Parce que là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, au niveau du dimanche, dans les températures, c'est chaud bouillant. Allez, à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Ansois, le Pharaon des courses.